Bonjour, ici Axel pour l'Institut Pieds et Mains. Aujourd'hui, je vais vous présenter un automassage spécifique pour la femme enceinte. Vergetures, peau desséchée, circulation sanguine un peu affaiblie, remontées acides, nous allons voir comment, grâce à cet automassage, remédier à tous ces petits désagréments de la grossesse. Alors, quand nous sommes enceintes, notre corps subit de profondes modifications. Nous prenons du poids et donc notre peau est sujette aux vergetures. Alors, comment remédier à cela? Donc, il est important de bien hydrater la peau. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez utiliser deux huiles végétales, comme notamment l'huile de coco que je vais utiliser ici dans cet automassage. Mais cela peut être plein d'autres huiles, comme notamment l'huile de sésame. Je peux vous conseiller également l'huile spéciale femme enceinte de la gamme Velleda, qui est très bien. Par contre, tout ce qui est crème de massage, je ne vais pas trop le conseiller car elle ne pénètre pas bien et reste trop à la surface de la peau. Voilà, donc une bonne hydratation des tissus est importante, bien sûr sur les zones concernées. En insistant sur ces zones comme le ventre, les fessiers, les cuisses et la poitrine. Voilà, évidemment, on fera attention aux huiles essentielles pendant toute la durée de la grossesse. Donc, une bonne hydratation est importante, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de bien vous masser. C'est vraiment l'action physique, l'action mécanique du massage sur les tissus qui va permettre une meilleure oxygénation et donc préserver l'élasticité de la peau. Donc prenez le temps, ne serait-ce que 5 minutes tous les jours pour bien vous masser. Cela va vous permettre de rentrer en contact avec votre bébé, de vous détendre et bien sûr de réduire ce petit problème de vergeture. Voilà, donc je vais commencer par le ventre, je vais appliquer mon huile sur l'ensemble du ventre avec les paumes des mains à plat. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors ensuite, je vais soulager le bas-ventre en essayant de libérer les organes du bas, comme le côlon et la vessie, et d'étendre le périnée. Donc voilà, je vais glisser mes mains sous le ventre, je me mets à l'aise. Voilà, je glisse sous les crêtes iliaques, l'os du bassin. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, ça soulage vraiment du poids de la grossesse. Je peux masser bébé, donc j'intercroise mes doigts. Voilà, je vais le porter, le bercer. Un souci. Voilà, ça permet de se sentir un petit peu plus léger, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, alors pendant la grossesse, on est souvent essoufflé. C'est normal, en fait c'est le diaphragme, c'est le muscle de la respiration qui se trouve ici sous les côtes. Et bien avec le poids de la grossesse, le ventre appuie sur ce diaphragme. Donc on va essayer de le libérer pour mieux respirer. Donc pareil, on se met à l'aise, confortable.
Voilà, donc en fait, on inspire profondément et à l'expiration, on glisse ses mains avec le, ici, le tranchant des mains, sous les côtes, de part et d'autre, vraiment en essayant d'aller sous les côtes, c'est là où se situe le diaphragme. Et on glisse jusqu'à la taille. Voilà, ça permet vraiment d'assouplir ce muscle et ainsi permettre une meilleure oxygénation et mieux respirer. Voilà, n'oublions pas la poitrine que l'on peut masser comme ceci. Et enfin, je peux masser également les flancs. Il ne faut pas oublier les flancs, c'est très important. Il y a des muscles profonds qui se situent ici sur les côtés. Donc, je peux masser cette zone, comme ceci, dépétrissage, sur les côtés. Je vais vous montrer par la suite. Voilà, donc les flancs. J'en profite pour masser les lombaires, derrière, et le sacrum. Voilà donc pour les flancs, on a travaillé ici, et je profite pour travailler au niveau des lombaires, à ce niveau-là, du bout des doigts. On a souvent mal au bas du dos pendant la grossesse, donc ça permet de soulager ses muscles. Donc en donnant quand même une bonne pression. Et je peux continuer le mouvement, voilà, en travaillant ici au niveau du sacrum. Voilà, comme ceci. Pendant la grossesse, nous pouvons souffrir de problèmes veineux. La circulation sanguine est affaiblie, donc il est important de bien masser les jambes et notamment les cuisses. Voilà, donc je vais faire un mouvement de pétrissage sur l'ensemble de la cuisse. C'est ce mouvement, comme des petites pinces, mains alternées. Je peux continuer en faisant un mouvement d'essorage. Voilà, comme ceci. Des grands lissages sur l'ensemble de la cuisse. Comme ceci, main à plat, je glisse et je reviens. Et enfin, des picotis, des tout petits pincements comme ça qui permettent de stimuler, renforcer les veines, tonifier. Voilà. Donc, je vous remontre sur l'autre cuisse. Donc, pétrissage, hein, ce mouvement, essorage, j'essore, comme ceci, grand lissage, et enfin, picotage, petit pincement pour tonifier. Voilà, donc avec ces mouvements un peu toniques, un peu rapides, cela permet de redynamiser la circulation sanguine. Donc c'est vraiment très bon. Également, ce qui est bien, c'est de vous masser les pieds. Donc vous pouvez voir la vidéo précédente sur l'automassage des pieds. Voilà. Et bien sûr, on ne va pas oublier les fesses qui, elles aussi, malheureusement, prennent du poids. Donc, la peau des fesses peut être sujette aux dévergetures également. Donc, on peut aussi masser ces zones.
Voilà, donc je vais bien appliquer mon huile sur les fessiers derrière. Et comme sur les cuisses, je peux faire ce mouvement de pétrissage. Pétrissage. Lissage et picotis. Pareil pour stimuler, tonifier les tissus. Voilà, donc vous le voyez, c'est un automassage assez simple mais qui est vraiment agréable, qui fait du bien. Qui permet voilà de vous accompagner dans ce moment très particulier. Donc faites-le, essayez de trouver 5 minutes dans votre journée. Cela permettra de vous détendre et bien sûr de rentrer en contact avec votre bébé. Voilà. Donc le massage n'est pas du tout contre-indiqué pendant la grossesse. Au contraire, cela peut aider vraiment l'organisme à se régénérer. Donc si vous avez l'occasion, faites-vous masser. Il n'y a quasiment pas de contre-indication, à part quelques points précis en réflexologie au niveau de la cheville notamment. Voilà, mais tout ce qui est massage à l'huile est au contraire très bénéfique, voilà, sauf bien sûr contre-indication médicale. Voilà, donc bonne détente, passez une belle grossesse et je vous dis à très bientôt.